Monsieur l'agent, on a besoin de vous. Monsieur l'agent, s'il vous plaît. On a besoin de vous. Monsieur l'agent, s'il vous plaît, tournez-vous, s'il vous plaît. C'est l'humiliation, ça, hein? C'est pas normal. C'est pas normal. Quelqu'un qui veut sur la tête. Vous voyez rien, vous êtes à la suite, vous là. Quelqu'un qui veut comme ça là. Quelqu'un qui veut comme ça, ça c'est quoi ça? C'est pas normal. C'est la merde, c'est pas normal. Voilà. Vous voyez rien, Parle. Je suis témoin. Il est témoin de vous. Je suis témoin. C'est qui me dit, qui me froisse. C'est devant vous. Je suis témoin. Sans papier, tu n'as rien, tu ne peux rien faire. Ouais. Mais ouais. J'ai tout vu. C'est pas comme ça. On va mettre tout. Voilà. C'est quel pays ça? Putain, ça c'est quel pays ça? Ça c'est quel pays? Vous allez prendre la vidéo ou pas? Non, au départ j'étais là, je discutais avec eux. C'est quel pays ça? Ce n'est qu'après quand ils ont vu que lui s'est fâché, il a tout enlevé sur lui. Maintenant, ils sont partis par la honte. De toute façon, je vais tout balancer sur YouTube. Je vais tout balancer. T'en fais pas. T'en fais pas, on va les retrouver, t'en fais pas. C'est pas grave. C'est pas grave, on va les retrouver. Il a cassé mon portable, il m'a froissé, il casse mon portable et tout. J'étais là, j'ai vu tout. Il a cassé mon portable. Il me demande les pièces et tout. Et je dis, mais voilà tes pièces. Il dit, mais tu fais quoi là, dans ce pays? C'est quoi? On n'a pas un problème. Mais putain. Ravis-toi mon frère. Ravis-toi, c'est pas grave. C'est pas grave, ravi toi. Putain. Même Sarkozy, même Hollande, même. Je ne sais pas s'il est au courant de ça vraiment.
C'est-à-dire, en France, c'est un politique qui a récupéré des amis comme ça là. Trois politiques qui ont des amis comme ça le monde. C'est déplorable. Ça c'est déplorable. Ça c'est déplorable. Vous n'avez jamais vu ça. Non, non, non. Ils ont fui. Tu sais pourquoi je te disais calme-toi, faut pas les donner la raison. Faut pas les donner la raison. Moi je suis témoin. Je suis resté là, j'ai vu comment ils t'ont interpellé, il n'y a pas de problème. Hein. Mais effectivement, je vais balancer ça tout de suite là dans YouTube. Les gens vont voir. Facebook, YouTube. Un policier qui m'appelle, il me dit que longtemps je me présente, il me dit mais tu es noir, tu es nègre. En France encore. On dit tu es nègre. En France. Mais putain. Non, c'est ça le type qui m'a interpellé là, ils l'ont fait déshabiller par moi. C'est vrai ? Oui, ils sont partis là, j'ai tenté de les filmer, ils sont partis, ils sont montés rapidement. Mais moi je mets ça sur YouTube et Facebook, ils vont voir ça maintenant. Faut qu'ils soient recherchés. Hein. C'est à vous votre téléphone ? Oui, c'est son téléphone, ils ont balancé par terre. C'est étonnant. De toute façon, j'ai filmé, de toute façon, on sort. Plus tout.
Prends ta carte. Donne-lui sa carte. Donne-lui sa carte. Merci. On est forcé à Kassai. À ce pays, on est forcé à Kassai. On n'a pas de choix. À un certain moment, on se dit bon, voilà, c'est parti. J'ai une conscience, c'est parti. On est forcé. Mais je crois que normalement, en France, quand on est là, on se dit bon, c'est un pays de paix, mais normalement, c'est pas la paix. Ah, embaucher des inconscients à la police, ça ne vaut pas la peine. Parce que déjà, à la police, c'est le même problème que nous avons tous les jours. C'est le même policier qui a merde. Et tous les jours. Ça c'est vrai. Bon courage, monsieur. Merci. Tu peux récupérer ton sac ? Tu peux récupérer ton sac ? Merci beaucoup. Tu vois ça ? Si je te disais, calme-toi, parce qu'il ne faut pas lui donner la raison. Non. Parce que ils vont dire que non. Voilà, c'est pour ça que nous on était là exprès pour voir ce qui va se passer. Voilà, c'est ça. J'ai jamais vu ça. C'est pas grave. En France, quelqu'un, toi policier qui t'accoste, qui te dit nègre, machin, tout et tout, présent, toi tu dis mais c'est pourquoi ? Tu dis non, tu n'as pas le droit d'être à la gare. C'est quoi ? Tu descends pour prendre un autre train qui m'amène à la gare, tu non. C'est pas grave. Écoute, moi je vais. Dieu merci que tu m'as dit. Oui, effectivement, mais parce que ça fait quand même un bout de temps que je sais, c'est là que j'ai grandi dans ce pays, donc je sais comment ils réagissent. Ils ont toujours raison. Parce que ça, je te dis, calme-toi, je te faisais le signe. Bon, ce que je vais faire, je rentre chez moi, je vais écrire. Ok ? Ok, et je te souhaite une bonne nuit.